Comment créer une animation sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc, donc on va voir comment créer une animation sur WordPress. Vous voyez ici sur mon écran, vous avez une image animée qui est en fait une image bien spécifique puisque c'est une image qui est en vecteur. C'est-à-dire que ici, les images, vous pourrez les agrandir ou les rétrécir comme vous voulez, vous pourrez changer le décor derrière, vous pourrez amener de la couleur, etc. C'est la grosse différence avec les images GIF. Donc une image GIF, c'est en fait une série de photos qui sont mises les unes à la suite des autres pour faire une animation. Ici, ce n'est pas le cas, l'animation est créée par du code JSON. Donc rassurez-vous, vous n'allez pas devoir coder si vous n'êtes pas à l'aise avec le codage pour pouvoir créer une animation comme ça, puisqu'il existe un site qui vous permet de télécharger un tas d'images comme ça pour créer des belles animations sur votre site. On va aller voir tout de suite le site. Donc le site s'appelle Lottifile. Donc Lottifile, c'est un endroit où vous allez pouvoir récupérer différentes images animées, un petit peu comme on voit ici sur le côté, ou quand on descend ici, on en voit encore d'autres, ici par exemple. Et vous avez tout un choix d'animation. Si par exemple ici je marque le marketing, vous choisissez le thème que vous voulez, hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choix, hein. Donc si, admettons, je marque marketing, comme ça, je vais avoir un tas de propositions. Vous voyez ici, il y a 13 pages sur le marketing et vous allez pouvoir comme ça choisir votre image. Ça a été créé par des personnes comme vous et moi qui ont mis à disposition leurs images pour pouvoir les intégrer au niveau de votre blog. Donc certaines vont être payantes, comme ici, on peut voir, elle est à 8 dollars. Et d'autres vont être vraiment en Creative Commons gratuit. Vous voyez, quand vous n'avez pas de prix comme ça, vous allez pouvoir les télécharger gratuitement pour les incorporer au niveau de votre site. Rassurez-vous, vous avez le choix dans les images qui sont déjà gratuites, hein, donc il n'y a pas. Vous avez quand même le choix au niveau du téléchargement. Alors, ce que vous allez pouvoir faire sur les images, c'est régler la vitesse, régler la taille, régler le fond. Enfin, vous avez tout un tas de possibilités pour pouvoir travailler sur vos images. Donc, je vous laisse regarder, hein, il n'y a pas grand-chose à lire, hein. Vous mettez par exemple, voilà, et vous allez avoir toutes des fleurs. Donc vous mettez vraiment le thème que vous voulez et puis vous aurez comme ça la possibilité d'avoir les images que vous voulez pour votre site. Vous avez ensuite la marketplace. La marketplace va vous permettre d'acheter des packs d'images. Bon, si vous ne trouverez vraiment pas ce qu'il vous faut, vous allez pouvoir ici choisir différents packs pour pouvoir les intégrer au niveau de votre site. Donc voilà, après vous avez les tarifs qui sont indiqués. Ici, les créateurs. Donc vous avez plusieurs possibilités, hein. Quand vous cliquez sur une image, par exemple ici, si je clique sur une image, on peut voir les réalisations qui ont été effectuées par la même personne. Donc c'est toujours bien quand vous cliquez comme ça directement sur le nom de la personne, vous allez voir tout ce qu'il propose. Si jamais vous voulez télécharger une animation, il suffit d'aller, admettons, sur Récent. Ici, vous allez choisir une animation. On va essayer d'en prendre une qui soit sympa. On va prendre celle-ci. Hop. Donc, quand vous voyez l'animation, ça passe sur une barre de temps. Donc, cette barre de temps, vous allez pouvoir jouer au niveau de l'animation, chose que vous ne pouvez pas faire sur un fichier GIF. Une fois que vous avez une animation qui est créée sur le fichier GIF, vous ne pouvez pas augmenter ou réduire la vitesse. Vous allez pouvoir ici ajouter, mettons, une couleur. Comme je vous dis, c'est vraiment interactif. Vous pouvez même changer les couleurs en passant par l'éditeur. Ici, vous avez les autres possibilités de création. Donc, pour télécharger une image, il suffit de cliquer sur l'image en elle-même. Vous arrivez sur cette page-là et ici vous allez avoir Download JSON. Donc vous cliquez dessus et vous allez télécharger l'outil JSON. Ici vous allez avoir le démarrage du téléchargement qui va être fait directement. Vous cliquez sur OK. Et ici on peut refermer.
Donc là, j'ai téléchargé l'image. Donc on va voir après comment l'intégrer au niveau de WordPress. En attendant, on va continuer un petit peu la visite du site. Une fois que vous avez choisi dans vos animations, sur la Marketplace, vous avez différents utilitaires qui vous permettent, par exemple ici, de pouvoir remodifier le fichier sur After Effects. Vous allez pouvoir comme ça modifier chaque élément de l'animation. Ici, vous avez la possibilité, admettons, de convertir votre fichier SVG en format Lottie. Vous avez le JSON Editor qui vous permet de créer votre propre code pour l'animation. Donc, pour créer une animation sur WordPress, vous pouvez également utiliser Lottie Editor qui vous permet de travailler directement sur les animations. Je n'ai pas regardé plus que ça. Je vous laisse regarder un petit peu comment vous pouvez travailler, mais vous allez pouvoir changer. Ici, vous avez les différents calques, les layers. Et vous allez pouvoir comme ça personnaliser la création de votre image. Bon, je n'ai pas poussé plus que ça, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment intégrer une animation sur WordPress avec Elementor. Donc ici, je vais fermer. On a téléchargé notre image. On se retrouve donc ici sur WordPress. Je vais revenir à l'accueil. Je vais aller sur mon tableau de bord. La première chose qu'il faut faire pour pouvoir intégrer une animation sur WordPress, c'est d'aller ici sur Extension. Une fois que vous êtes sur Extension, vous cliquez ici sur Ajouter. La première chose que vous devez télécharger, c'est Elementor. Donc, Elementor. Elementor Website Builder. Donc, c'est celui-ci. Donc ça, vous le téléchargez, c'est un constructeur de pages qui va vous permettre de créer vos pages sur WordPress. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous cliquez sur le bouton Activer et vous allez avoir à disposition donc le plugin. Une fois que vous avez téléchargé Elementor, ici vous allez marquer Lottie, L-O-T-T-I-E. Vous avez plusieurs plugins qui sont proposés. Personnellement, j'ai pris le premier, Animator Lottie Unbody Moving for Elementor. Après, il faudrait essayer les autres pour voir s'il y a un petit peu plus d'options au niveau des animations, mais déjà celui-là est déjà pas mal. Donc, vous cliquez sur Installer maintenant et après, vous cliquez sur Activer. Une fois qu'il est activé, on peut ensuite se rendre sur un article. Ici, on va cliquer sur Ajouter pour ajouter un nouvel article. On va aller sur Modifier avec Elementor et on va se retrouver sur la page d'édition d'Elementor. Donc il suffit ici dans la colonne de gauche de descendre tout en bas et d'aller chercher ici un nouvel onglet qui s'est créé qui permet de sélectionner des images Lottie. Donc on va l'intégrer ici et vous allez pouvoir comme ça créer une animation sur WordPress. Ensuite, vous devez donc sélectionner votre case. Vous allez avoir ici une sorte de petit triangle. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir ici cliquer sur téléverser le fichier. On va sélectionner le fichier. Comme vous pouvez voir ici, j'ai Visual Studio. Donc, on a ici un icône qui est créé et qui nous indique que c'est du code JSON. Donc ici, on va prendre l'image que l'on a téléchargée. C'est des JKID. Et ici, je vais cliquer sur ouvrir. Une fois qu'il est téléchargé, on a juste à insérer le média et le média va apparaître directement à l'intérieur. Vous n'avez pas du tout de code à faire. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de créer plusieurs choses sur votre animation. Vous allez pouvoir, par exemple, le mettre en boucle. C'est-à-dire que aussitôt que c'est terminé, il va rejouer la scène complètement. Vous allez pouvoir inverser le cours, c'est-à-dire que là, l'image arrive déjà toute faite et elle va partir dans l'autre sens. Donc ici, vous pouvez inverser, vous pouvez également faire uniquement quand on survole avec la souris. Donc là, j'ai une animation. Si je passe la souris dessus, quand je retire la souris, l'animation s'arrête. Donc vous allez pouvoir faire différentes choses dessus, pause, reverse, etc.
Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller également dans les styles pour... Alors, je vais le mettre en boucle. Ici, on va supprimer pour que l'animation elle continue. Autre chose que vous pouvez faire ici, c'est, admettons, augmenter la vitesse. Voilà, ici le délai. Donc ça, c'est pour que l'animation se fasse à partir d'un certain moment et ne démarre pas tout de suite, par exemple. Vous allez pouvoir ici augmenter le style. Donc, comme vous voyez ici, hein, que vous mettez une petite image ou une image très grande, la qualité est toujours nickel. Donc c'est vraiment l'avantage de ces animations, c'est que ça fait très pro en fait. Hein. Et après, vous allez pouvoir faire des animations, par exemple ici, si je voulais qu'au passage de la souris, il y ait une petite opacité au niveau de l'image, il suffit que je mette ici une valeur, voilà, comme ça quand je passe. Il y a des petits effets sur l'image. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré l'ensemble des paramètres de votre image, vous allez pouvoir ici l'enregistrer le brouillon et vous allez pouvoir aller le visionner directement pour voir un petit peu le rendu. Donc c'est bien pour faire par exemple sur une page d'accueil ou des trucs comme ça, mettre des petites animations. C'est toujours sympa d'avoir des trucs comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!